Hey, cha 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 cha. Et où les mes amis? Mon cher, la maman. Bonjour les amis. Les amis, on est déjà vendredi et la semaine est vite passée. Ah mon cher, comme je vous ai dit hier, là, il dit on va pas laisser faire d'éducation là. À faire où on est avant dernier là. Si on veut pas, tout on sera dernier. Donc c'est mieux on commence à parler de ça maintenant en profondeur. Donc ah. Angélique Kidjo, vous connaissez Angélique Kidjo, dans la chanteuse béninoise qui chantait Inyajole, Adjoloko, Inyajole, Adjoloko, Adjoloko, Inyajole, Adjoloko. Vous vous rappelez d'elle, non? Ah, elle est chanteuse, mais c'est que vous ne savez pas aussi. Bon, peut-être vous savez, elle est aussi actrice et puis elle est aussi activiste. Voilà. Donc, elle a fait un post concernant l'éducation nationale. Là, voilà ce qu'elle dit. L'éducation est très politique, car lorsque vous éduquez des gens, vous avez un pays que vous ne pouvez plus tromper. Est-ce que vous avez bien compris? L'éducation est très politique, car lorsque vous éduquez des gens, vous avez un pays que vous ne pouvez plus tromper. Tcha, 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 tcha. La tante, la maman, la grand-mère, la sœur, Angélique Kidjo a tout dit. Elle a tout dit. C'est ça même. Parce que si le peuple est éduqué là, vous allez venir... Oh, vous allez passer comment? Vous allez passer par où même pour raconter des blagues même? Vous allez passer par où pour essayer de dire des choses et puis le peuple ne va pas comprendre? Mais si un peuple n'est pas éduqué, n'importe quoi que vous allez dire, ils vont comprendre, ils vont accepter. Si on parle de route, que ah, on vous a donné de l'eau, hein, on vous a donné l'électricité, hein, donc dites merci, hein, ah, c'est grâce à nous, il y a route, hein, ah, donc dites merci, hein, ah, c'est grâce à nous, il y a ceci, hein, ah, donc dites... Mais le truc, c'est ça. C'est que la population même ne se rend pas compte que c'est l'argent du contribuable même qu'on entre des pompes pour faire les choses. Hein? Ils se disent que c'est la personne qui a la charge, de, qu'on appelle, qui a la tête du pays, c'est son argent à lui-même. Oh, éducation, c'est dans ça aussi, Dao, vous allez écouter la vidéo, il dit là, il dit que les enseignants, c'est eux qui sont plus payés dans la sous-région. Attendez, vous écoutez, attendez, vous mettez ça, vous allez écouter. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire. De 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Tcha, tcha, tcha. Yako, enseignant. Yako, maître, maîtresse. Yako. Ce qu'on vient de dire là. Tcha, 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 tcha. Vous avez fait Léon ramasser le bagage. Devant chez vous, on dit c'est vous qui êtes mieux payé. Oh. Vous avez fait les gens du village là, on venir vous demander là, on dit c'est vous qui êtes mieux payé. Et tout le temps que vous passez les élèves, tout le temps que vous passez avec les enfants des gens pendant plusieurs heures, c'est ça on vous donne et puis on dit que vous êtes les mieux payés de la sous-région. Oui. Mon cher, entendez, on termine la vidéo là avec, comment on appelle, au passage vraiment. Oh, les cœurs soutient à notre sœur Pucherie Gbalé et à notre sœur Zainab Ayoub et tous ceux qui sont en ce moment là détenus à la Maca. Vraiment, union de prière pour eux. Bon, on passe maintenant du côté de, comment on appelle, et Touré Alpha Yaya, le monsieur qui était le premier à parler de M. Afin Guesson pour dire que M. Afin Guesson avait porté habit des femmes, tout ça là, mon chien, il avait vu au Ghana. Celui qui avait donné des comptes vérité, il était la première personne à être en direct pour parler de M. Afin Guesson qu'on avait attrapé là. Lui encore, le même monsieur, il fait un poste pour dire que lui, il a toujours dit que M. Afin Guesson était bien. Entends, vous savez, les gens du restaurant, si quelqu'un du restaurant a dit quelque chose, il faut prendre le contraire. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit il est bien dans le sens qu'il est bien pour l'opposition ou bien il est bien pour les gens du restaurant. C'est pour mamailler, mélanger l'opposition. Leur rôle, là, c'est toujours, en ce moment-là, c'est pour comment faire diviser l'opposition. Là. C'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire. Oui, il ne comprend pas. Dans quel coup, maintenant, c'est lui, maintenant, qui fait publicité, maintenant, de M. Afin Guesson. Vous dites, je vous ai toujours dit, c'est monsieur, il est bien. Et en plus, regardez ce qu'il dit. Il dit, je le confirme, ce monsieur est un homme bien. Je sais de quoi je parle. Il mérite notre confiance et celle de Dao. Oh,
vraiment. Tcha, 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 tcha. Bon, c'est qu'est-ce que on termine la vidéo avec M. Jean-Louis Billon. Eh, M. Jean-Louis Billon aussi, oh, les amis. Vous savez qu'il est candidat à Dabakalano pour la députation. Ah, mon cher, il est allé là-bas maintenant. On dit que ah, les gens du restaurant ont payé voiture pour donner aux gens là-bas, tout ça là. Jean style 4x4, il dit, ah, on dit merci aux gens du restaurant, alors, au moins grâce à la voiture qu'ils ont donnée là, ça nous permet de faire campagne. Tcha, 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 tcha. Et si vous avez compris le truc, c'est lui qui dit merci, parce que voiture qu'eux, ils ont donnée aux gens des Dabakala là. C'est ça, lui, Jean-Louis Billon, va pas faire sa campagne, oh, les amis. Tcha, 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 foutaise de ça. Eh, le, oh, mais c'est Jean-Louis Billon. Mon frère, il parle mal de. Tcha, tcha, tcha. Ok. Donc, j'avais dit, on termine avec lui. Non, on termine pas avec lui. Il y avait une information qui passait, comme quoi, qui disait que ah, M. Soro Guillaume a fait un post, quoi, qui dit que lui, il est déçu de M. Afi, qu'on ne l'a pas supporté, on ne l'a pas fait ceci. On dit, c'est fake news, oh, les amis. On dit, c'est fake news. Comme eux-mêmes aiment le dire, c'est faka news, c'est faka news, c'est faka news. Yeah. On dit que Soro Guillaume du camp au camp Afi, que c'est ce que le poste avait dit Soro Guillaume au camp Afi. Vous n'avez pas pu supporter la petite chicotte de Ouattara. Alors que M. Soro Guillaume dit, c'est pas lui qui a dit ça, de que c'est fake, c'est fake, c'est fake. Donc il a fait un poste pour dire, ceci n'est pas de moi. Je demeure attaché à la cohésion de l'opposition politique ivoirienne. Il a fini, oh les amis. Ok, oh les amis, on a fini notre vidéo. C'est qu'est-ce que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, bonne arrivée. Oh. Merci d'être là. Merci aux anciens. Que Dieu continue de vous bénir. Ah, vous voyez ce qui est sur le tableau là, non? Ah, et puis ça, on est étonné d'être dernier. On est étonné d'être avant-dernier. Ah, mon cher, c'est qu'est-ce que ça va aller un jour, ça va aller. Bon, les amis, moi, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. J'allais oublier. On dit, maman, Odel Lourouignon a dit à Papa Gikawe que pardon, Papa Gikawe, faut laisser faire des. Dit que tu as te présenté à Gagnoua, même si tu viens de Gagnoua, pardon. On dit, voilà ce qu'elle a dit à la population. Le V Baoulé est pour le PDCI et il veut partager le centre-ouest avec nous. Gbagbo a dit non. Tcha, tcha, tcha. Eh, là, a fait des Gbagbo. Non, papa, oh. Papa Gbagbo, ton nom est partout, partout, partout. Maman Odel, faut faire doucement, doucement. C'est qu'elle suit. Papa Gikawe lui-même, il fait. Papa Gikawe va dire aux gens là même de te voter. Faut même pas t'inquiéter, maman Lourouignon. Faut même pas t'inquiéter. Faut faire doucement, doucement avec lui. Hein, voilà. Fais doucement, doucement avec Papa Gikawe. Lui-même, il va t'aider aussi. Ça va aller. Ça va aller. Tchaï! Ok, les amis. À tout à l'heure. Bye-bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Mambo, oléléa, mambo, oléléa, mambo, oléléa, enfants ivoiriens.